Et bonjour et bienvenue pour ce nouveau guide dédié à EmuDeck avec au programme aujourd'hui DuckStation, l'émulateur de la PlayStation 1 de Sony. Cependant, avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques précisions s'imposent. Tout d'abord, je pars du principe que vous êtes désormais à l'aise avec l'utilisation du Steam Deck et que vous avez correctement installé EmuDeck, de préférence sur une carte SD. Ensuite, je ne vais pas détailler ici où et comment obtenir les divers fichiers nécessaires au bon fonctionnement de l'émulateur et des jeux. Je comprends que cela peut sembler un peu étrange, surtout compte tenu de la simplicité de la démarche, mais que voulez-vous, nous vivons dans un monde absurde et je n'ai pas envie d'avoir des problèmes avec YouTube. Enfin, mon but ici est de vous familiariser avec les bases de l'émulateur. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous encourage à expérimenter par vous-même ou à effectuer des recherches sur Internet. Pour commencer, il faut savoir qu'il est essentiel de disposer des fichiers BIOS de la PlayStation 1 pour que DuckStation fonctionne correctement. Une fois le pack de BIOS obtenu, il suffit simplement de copier les fichiers vers l'emplacement suivant: Primary, qui correspond à la carte SD, Emulation et BIOS. Vous pouvez vérifier que les fichiers BIOS sont bien détectés en utilisant l'outil BIOSChecker d'EmuDeck. Vous trouverez DuckStation dans l'application Launcher sous la rubrique Games. Vous avez également la possibilité de créer un raccourci sur votre bureau pour un accès plus rapide. Une fois DuckStation lancé, commençons par basculer l'émulateur en français. Pour ce faire, rendez-vous dans le menu Settings en haut, puis sélectionnez Language en bas et choisissez Français. Normalement, vous n'aurez pas besoin de modifier quoi que ce soit d'autre, mais n'hésitez pas à expérimenter ou à vous renseigner davantage si vous le souhaitez. Pour ajouter un jeu, il suffit de copier le ou les fichiers dans le répertoire suivant: Primary, Emulations, ROMs, PSX. Ensuite, revenez à DuckStation et, dans les paramètres, sélectionnez l'option Scanner les nouveaux jeux. Les titres que vous avez ajoutés apparaîtront alors dans une liste. Par ailleurs, si vous effectuez un clic droit sur le jeu, avec la gâchette gauche, et sélectionnez l'option Propriétés, vous pourrez alors modifier les paramètres du jeu. Ainsi, à travers différentes options, vous pourrez par exemple améliorer la qualité d'affichage du jeu. Cependant, par défaut, je trouve que le résultat est déjà de très bonne qualité. En outre, il est important de noter que toutes les modifications apportées ici auront la priorité sur la configuration générale de l'émulateur. Enfin, pour lancer un jeu à partir de l'émulateur, il suffit simplement de cliquer dessus. Lorsque vous démarrez un jeu, ou DuckStation, en utilisant le mode gaming, je vous recommande de sélectionner le modèle EmuDeck DuckStation. Celui-ci intègre un menu tactile sur le trackpad gauche permettant d'accéder à diverses commandes de l'émulateur. Bien entendu, vous avez la possibilité de le personnaliser selon vos préférences si vous le souhaitez. Si vous désirez obtenir de plus amples informations sur l'émulateur, vous pouvez visiter son site officiel duckstation.org. Malheureusement, le wiki ne semble pas fonctionner pour le moment. Cependant, cela ne semble pas être un problème majeur, car je ne pense pas qu'il y ait désormais des jeux qui ne fonctionnent pas avec l'émulateur ou qui nécessitent des manipulations particulières. Voilà, ce sera tout pour ce petit guide pour configurer et lancer rapidement un jeu PlayStation avec DuckStation. Je rappelle qu'avec l'outil Steam ROM Manager d'EmuDeck, vous avez la possibilité de sélectionner les raccourcis que vous souhaitez afficher sur l'interface de Steam en mode gaming. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.
滅びよ。ここはお前の住む世界ではない。私は自らの力で蘇るのではない、欲深な人間どもによって蘇るのだ。力が唯一の正義なのだからな。それはお前の勝手な言い草だ。人々は同じ信念のもとで求め合い、集い、そして歩んでいく。だが現に人間どもは欲望によって発展し、信仰によって統率されてきたではないか。人間は力だけでは統率できない。敬い、慈しむ心があるからこそ統率ができるのだ。くだらん。どちらが正しいか、死をもって分からせてやる。の死闘の末、闇の神官シャフトの手によって復活したドラキュラ伯爵はリヒター・ベルモンドにより倒された。しかしそれから4年後の満月の夜、彼は謎の失踪を遂げた。行方を追って当てのない旅に出たマリア・ラーネットであるが、道中行く先を示唆するかのようにある事件が発生した。伝説では100年に一度しか蘇るはずのないドラキュラ城が忽然と姿を現したのだ。時を同じくして一人の男にも異変が起きていた。彼の名はアルカール。かつてラルフ・シ・ベルモンドと共に父であるドラキュラを滅ぼした男だ。彼は自分の呪われた血を断つために自らその能力を封印し、覚めることのない眠りについたはずだった。だがその眠りは妨げられ、汚らしふるさとが復活したことを知った。そして今さまざまな思いを抱き、宿命の魂がドラキュラ城に集う。闇に浮かぶ月だけが真実を知るのだ。